Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, retour de course pour cette semaine. Et je vais commencer par les produits frais. Alors, il n'y en a pas beaucoup parce qu'ils ont toujours des problèmes de frigo au Leclerc Drive, de ma ville. Et donc, en ce moment, ils sont en train de changer tout ça. J'ai vu un camion ce matin qui a porté du matériel, donc on va être bientôt sauvés. Mais il y a quand même un peu de frais là. Alors, en jambon, produits frais. Jambon supérieur, moins 25% de sel, c'est 2,09 €. J'ai pris aussi du jambon cru, recette italienne, 1,91 €. Il y a 6 tranches. J'ai du saucisson à l'ail. Alors pour changer un petit peu, parce que à manger tout le temps la même chose, on en a un peu marre. J'ai pris du saucisson à l'ail fumé, 1,95 € et il y a 300 grammes. Je vous montre de l'autre côté, voilà. Un petit saucisson comme ça fera du bien en entrée. Fromage frais au cheddar. J'ai pris ça parce que j'ai encore du pain pour burger et de la viande hachée. Donc je vais faire un burger peut-être demain midi à ma fille. Spécial burger. C'est 1,29 € les 10 tranches. Mais c'est pas mal. Et même pour faire, je pense faire aussi des croque-monsieur. Parce que j'ai pris du jambon et j'ai pris du pain de mie. Donc ça va bien servir. Ensuite, j'ai de la crème épaisse. Voilà, parce qu'ils n'ont pas encore les frigos adaptés nécessaires pour leur crème. Donc j'ai pris de la crème Saison, semi-épaisse. Légère et c'est 2,26 € les deux petits pots, on peut dire ça. Voilà. Ensuite, alors j'ai pris du pain de mie spécial croque-monsieur. On trouve très bien. Il est tendre. Il a une épaisseur qui est sympa pour les croque-monsieur. Et ça, le pain de mie, c'est 1,52 €. Voilà. Et il y a 550 grammes. J'ai pris du café moulu aussi. J'ai encore pris, bon, pas trop cher. Pour l'instant, j'attends, mais je pense reprendre peut-être un, parfois de meilleur, enfin, disons un autre café. Café moulu plantation, c'est 2,29 €. Faut mettre un peu plus cher peut-être pour avoir un peu plus meilleur, on va dire, un peu meilleur. Mais bon, ça, c'est pas mal quand même. Cookies. C'est mieux que rien parce que parfois on se retrouve sans café et puis c'est dur le matin. Moi j'ai besoin de mon café au lait le matin. Ensuite le cookie. Alors triple chocolat, c'est le chouchou de ma fille. Chocolat au lait noir et blanc pour son petit déjeuner ou le goûter. Et les cookies comme ça, c'est 200 grammes, c'est 1,44 €. Il y en a 8 et c'est marque Repère. Il y a beaucoup de marques repères dans ce que j'achète. Hein. J'ai pris de l'eau cristalline. Hein, et dans la voiture, il y en a 6 packs de 1 litre et demi. C'est 1,13 €. Hein, ça augmente. Et c'est avant, c'était. Quand on pense qu'avant, c'était en dessous d'un euro. Hein. Et puis voilà. Pur jus d'orange Joker, bah, 1,97 €. Il est là. Il y a 1 litre. Sans pulpe. J'ai de l'eau dans la voiture aussi, des petites bouteilles de 50 centilitres. C'est 1,96 € les 6. J'ai pris des concombres. Alors c'était par deux. 2,49 € les deux concombres. Toujours de la même marque de Leclerc, marque Repère. Et j'ai pris des tomates également. Tomates rondes en grappe. Alors les tomates en grappe, c'est 2,99 €. Il y a 5 tomates. Et elles sentent bien la tomate. Elles sont de France. 2,99 €. J'ai pris également des oignons. Alors, il n'y avait pas d'oignons frais. J'ai pris comme ça. L'oignon comme ça, rustica déshydraté. 30 grammes, 99 centimes. Je ne sais pas si on va vraiment sentir ça dans les préparations, mais j'ai pris ça. C'est mieux que rien. J'ai également pour les chats. Alors pour les chats, ils ont des sachets. Toujours le même noir qui veut que du pâté presque.
Ou parfois je le vois quand même manger des croquettes. Alors, les sachets, c'est 4,16 € et il y a 8 sachets dans la boîte là. J'ai pris aussi Purina One, c'est ce qui leur va très bien. Toujours, je prends cette marque-là. Il y a 450 grammes et c'est 2,54 €. Et j'ai pris de la litière qui est dans la voiture compacte. Alors c'est cher, 3,79 € pour 4 kilos. Hein, je vous montre. Je vous montre. Alors attendez, 3 euros. Là, litière chat compacte, 4 kilos, 3,79 €. Mais c'est quand même mieux quand c'est compact que tout ce que je peux acheter, voilà, moins cher. Mais c'est ça. Et ensuite, pour finir, j'ai pris cette colle nue pour faire un DIY que j'aimerais faire pendant que la queue passe. C'est pas mal du tout, hein. Ça colle bien. C'est un gel. Moi, je trouve ça pas mal. Et c'est 1,40 €. Donc, ça change de toutes les marques qu'on peut trouver. Voilà, donc petit retour de course. Je voulais signaler aussi. Alors, je voulais vous montrer le cadeau. On est le mardi 2 mai. Et je voulais vous montrer le cadeau de chez Leclerc. Pour pas perdre, sans doute. Hein, enfin, voilà. Parce qu'ils savent qu'ils vont plus en vendre. Ils m'ont donné ce pot. Ce pot de muguet. J'ai une jeune fille adorable qui est venue m'apporter ça. Et je me suis dit, je suis chanceuse. Parce que la dame à côté, elle a eu qu'un petit bouquet, vous voyez? Alors que moi, il est en pot. C'est rare hein, que je sois chanceuse comme ça. Il est en pot. Et puis, il y a pas mal de brins, de muguet. C'est très gentil, voilà. Et je vais vous montrer le pot. Donc, il y a quand même pas mal de brins. Et puis, le pot est dur, hein. Le pot est costaud. Donc, ça peut servir. On peut remettre le muguet en terre. Et ça coûtait dans les 4 euros. J'avais regardé pour m'acheter ça. J'avais dit c'est trop cher. Mais j'ai acheté un petit brin de muguet. Enfin, peut-être 3 brins de muguet à ma fille. 3 brins de muguet pour moi. Avec une rose. Et dans les 2 euros, je crois. Et j'ai constaté qu'on ne sentait pas. Il n'y avait pas d'odeur dans le muguet. Mais il n'a pas le droit de toucher. Hein. Alors, c'est pas facile avec les chats parce que c'est dangereux pour eux, donc il faut faire attention. Donc j'éloigne le muguet des chats, mais il faut trouver la position, enfin l'emplacement surtout, pour mettre le muguet. C'est pas évident. C'est pas évident. Lui, il n'est pas intéressé par le muguet. Lui, c'est le pâté. Lui, il veut du pâté. Hein. Mais voilà, il faut le mettre en hauteur, le muguet, pour éviter que les chats y touchent. Et j'ai ce week-end, les chats, j'avais acheté donc le muguet pour moi et pour ma fille. Et de mon côté, ils ont renversé le petit vase pour essayer de manger le muguet. Donc il faut faire très attention. Voilà, donc il faut que je trouve une place où ils ne peuvent pas aller. Et c'est pas toujours évident. Mais je suis très heureuse, ça me fait très plaisir, ça me touche beaucoup de Leclerc Drive, hein, parce que voilà, c'est des cadeaux qu'on s'y attend pas et on a comme ça un bonheur qui, voilà, qui nous remplit la journée de plaisir, ça fait du bien, hein, on en a besoin. Voilà les amis, je vous fais des gros bisous. Abonnez-vous, mettez un pouce. Amour, se joint à moi. En attendant son pâté, pour vous souhaiter une bonne journée, vous faire des gros bisous. À bientôt. Bisous, au revoir.